soir. Et tu veux encore ce soir nous communiquer la vie. Parce que tu es la vie. Parce que tu es la vie, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton onction, Seigneur. Qui va encore ce soir briser le joug. Briser le joug, Père, au nom de Yeshua. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Père, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as créés à ta ressemblance, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Jésus, que tu nous as confié le jardin que tu as créé, Seigneur. Père, quel amour, Seigneur. Nous ne le méritions pas, Seigneur, mais tu nous as donné ton souffle de vie. Ton souffle de vie, Seigneur, parce que nous sommes précieux à tes yeux. Parce que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton regard qui, ce soir encore, est sur nos vies. Parce que nous t'appartenons. Parce que tu as pour nous de bonheur et non de malheur, Seigneur. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul le règne, Père. Dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir encore. Je m'appelle David. Et je voudrais vraiment ce soir apporter une exhortation à la jeunesse que nous sommes, que vous êtes, de la part du Seigneur. C'est temps, en fait, Dieu l'a voulu parce que Dieu veut parler encore aux jeunes. Parce que Dieu compte beaucoup sur les jeunes. Vous savez, Dieu a des projets pour vous. Satan aussi en a pour vous. En fait, Dieu saisit ce temps pour vous montrer clairement quels sont les projets qu'il a pour vous. Et ce qu'il veut faire avec vous. Je voudrais vraiment ce soir nous parler en tant que jeune parce que je suis jeune. Parce que peut-être pour beaucoup, je parais très jeune de figure, mais je ne suis plus très jeune. Mais c'est grâce à Jésus, en fait, que j'ai cette apparence-là. Parce que Jésus change. Il change les vies, il change les cœurs. Il a changé ma vie, il a changé mon cœur. Et moi, j'ai envie ce soir de vous partager, en fait, ce que Jésus a fait dans ma vie. Dans ma vie. Vous saviez, j'étais, avant d'être chrétien, j'étais ce qu'on appelle un prostitué. On connaît plus les prostituées filles. Mais moi, j'étais un prostitué garçon. J'étais prostitué. Je n'arrivais pas, en fait, à tenir devant les femmes. Quand je voyais une robe, une jupe, j'étais complètement, complètement désaxé. Et mon corps était comme poussé vers la personne. Rien que la jupe, rien que la robe, sans même voir la figure, j'étais déjà désaxé. Et alors, j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans. J'ai eu ma première MST à 14 ans, à gonococcie. À 14 ans, mes parents étaient choqués. Mais j'étais tellement esclave du sexe, tellement esclave, esclave du sexe, je n'arrivais pas à faire 3 jours. Si j'ai fait 3 jours sans coucher une femme, je deviens comme fou. Je deviens comme dingue. Et il me fallait à tout prix chercher une femme. Et si je ne trouvais pas une femme, je me masturbais. J'ai fait des efforts personnels. J'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter cela. Et à l'époque, je fréquentais une église, je me disais chrétien. Je me disais chrétien, mais j'étais esclave du sexe. J'ai fait des jeûnes. Mais à chaque fois que j'ai terminé un jeûne, quand je ressors, je retombe encore. Parce que je ne voulais plus faire. Et après, je me suis dit, non, finalement, c'est impossible. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas parce que malgré mes efforts, malgré tout ce que je fais, je suis toujours esclave du sexe. Alors je vais attendre d'être marié. Peut-être là-bas, je pourrais maintenant me contenir. Mais c'était en fait l'ignorance qui me faisait parler ainsi. Et un jour, j'ai écouté un message sur le péché, sur les conséquences du péché dans la vie de l'homme. J'ai eu peur. Parce que le salut du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et moi, je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. Alors j'ai dit, mais comment avoir la vie? Comment ne pas mourir? Comment sortir de l'esclavage du sexe? Comment être délivré de l'esclavage du sexe? Comment être délivré de l'esclavage de la boîte de nuit, de la cigarette, de la drogue, de l'alcool? Comment faire? Il n'y avait pas de solution. Mais quand on m'a parlé, c'est par rapport au péché, on m'a dit qu'un homme est venu sur terre. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris mon péché. Il est mort à la croix. Il a crucifié mon péché. Avec le péché ne règne plus en moi. Cette parole me dit, waouh, donc quelqu'un peut m'aider. Quelqu'un peut me secourir. Quelqu'un peut m'aider à changer de vie, à sortir de l'esclavage du sexe. Je vais essayer.
J'ai dit, je vais essayer ce Jésus-là. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, on m'a dit que tu changes les vies. On m'a dit que tu transformes les vies. Seigneur, voici ma vie. Elle ne vaut rien. Ma vie est pourrie, ma vie est sale. Je suis comme un zombie. Je n'arrive pas à me maîtriser. Seigneur, si tu existes, si tu es Dieu, change ma vie. Change mon cœur. Je t'ouvre à moi. Je donne toute ma vie parce que je veux vivre. Parce que je veux changer. J'ai fait cette prière de tout mon cœur. De tout mon cœur parce que je voulais changer. Parce que j'ai vu la mort devant moi. Et après cette prière, Dieu m'a ramené tout mon passé. Dieu m'a ramené tout ce que je faisais. Et Dieu m'a dit, je te pardonne. Je change ta vie. Je change ta vie. Pour moi, je ne comprenais pas encore ce que cela voulait dire. Et quelques temps après, il y avait une fille que je courtisais dans le quartier et qui me bouchait en fait. Et dès que j'ai fait cette prière, le lendemain, elle était devant ma porte, me disant, je suis prête, c'est bon. Ce que tu me dis là, je suis prête à partir. Mais quelqu'un est rentré dans ma vie. C'est-à-dire, si j'étais encore de façon normale, j'allais, sans tarder, j'allais aller avec cette fille-là. Mais il y avait un dégoût dans mon cœur. Il y avait quelque chose dans mon cœur que je n'avais jamais ressenti par rapport au péché, par rapport à la femme. J'ai dit à cette fille, non, je ne peux pas. Elle était choquée. Et ça fait des mois que tu cours après moi. Mais maintenant que tu acceptes, pourquoi tu ne veux plus? J'ai dit non. J'ai découvert autre chose. J'ai découvert autre chose qui est plus puissant, plus sucré, plus bon que le sexe. C'est Jésus. Et ça a commencé comme ça, avec le Seigneur. Et ce que j'arrive à faire en trois jours, j'ai fait 10 ans, sans me masturber. 10 ans, sans courir une femme, sans coucher de femme. 10 ans. Donc c'était impossible pour moi avant. Et 10 ans après, Dieu a fait grâce à une épouse. Ça fait 3 ans qu'on est marié. On a 2 enfants aujourd'hui. En fait, c'est pour dire quoi aux jeunes? C'est pour vous dire quoi, frère et soeur? Que j'étais esclave. Et beaucoup, sans doute, ce soir, sont esclaves. Si ce n'est pas du sexe, c'est de l'alcool, c'est de la drogue, c'est de la télévision, c'est de la mode, c'est plein de choses. Et peut-être beaucoup d'entre vous ont crié, vous voulez changer, mais ça n'arrive pas à changer. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il change les vies. Je suis un témoignage véritable. Quand j'allais en bois de nuit, on allait vendredi soir, j'étais à l'USTM, à Soukou. J'allais vendredi soir, on revenait dimanche. 3 jours en bois de nuit. Quand on rentre vendredi soir, on sort rien que dimanche matin. C'était terrible. Si je n'ai pas encore vu le petit Castel, je ne rentre pas chez moi. C'était terrible. Mais quand j'ai découvert Jésus, et quand il est venu dans ma vie, quand il m'a changé, il m'a montré que la boisson, tout ça, ça ne vaut rien. Et moi, je l'ai expérimenté. Le goût de Jésus, le goût de la femme, c'est pas possible. La femme, une minute, c'est pour l'éternité. Donc, il n'y a pas match, en fait. Il n'y a pas match. Et ce soir, je vais dire à un jeune, ce soir, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Ce n'est pas la drogue. Beaucoup se cachent derrière la drogue pour se cacher leur faiblesse. C'est Jésus qui est la solution. Beaucoup se cachent derrière la boisson pour cacher un manque en eux. Jésus est la solution. Beaucoup d'entre vous ont des vides dans leur cœur. Jésus est ce qui remplit nos cœurs. Je suis né, je n'avais pas de père. Mon père est mort, j'étais encore dans le sein de ma mère. Mon père est décédé. Je n'ai pas connu. J'avais ce vide-là en moi. Je voulais connaître le Père. Je voulais appeler quelqu'un mon Père. Je n'avais pas d'homme pour appeler Père. Mais quand Jésus est venu en moi, il a rempli le vide du Père. Il a dit, je suis ton Père. Je suis ton Père. Il remplit mon cœur d'amour du Père. Beaucoup ont le cœur meurtri. Beaucoup ont le cœur vidé. Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de leurs parents. Jésus-Christ nous donne l'amour. Jésus-Christ remplit nos cœurs de son amour. Je voudrais vraiment ce soir vous ouvrir à moi, en fait. M'ouvrir à vous, vous dire clairement que Jésus change les vies. Ce soir, j'ai devant vous grâce à Jésus. Je ne sais pas ce que je serais devenu si Jésus n'était pas entré dans ma vie. Je ne sais pas. Peut-être que je serais mort aujourd'hui.
pensais que j'aurais le sida aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est grâce à Dieu que je suis là devant vous ce soir. Et que je peux prendre la parole de Dieu et vous partager ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il est réel. Il est puissant, parce qu'il est glorieux. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, c'était en 2004. Mais ça peut être pour toi la même chose aujourd'hui. Si tu décides, ça c'est un choix personnel, de t'ouvrir à lui, de lui donner ta vie, il peut te changer. Comme il a fait pour moi en 2004. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Simplement lui demander, simplement être sincère. Et tu vas voir la puissance de Jésus, la puissance de Dieu sur ta vie. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre secours. Ce qui est impossible à toi, comme à moi hier, est possible à lui. Ce qui est impossible à toi, depuis des années, depuis des mois, est possible à lui. C'est pourquoi ce soir il t'a appelé, parce qu'il veut te montrer sa puissance. Il veut te montrer qu'il est Seigneur et Sauveur. Et qu'il est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. C'est ça, Jésus. C'est ça, la vie. Et je voudrais lire avec vous quelques passages qui vont encore nous encourager par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez des Bibles. On va prendre Ecclésiaste. C'est un verset qu'on a mis par rapport à ce programme. Et Dieu m'a mis à cœur de le partager avec vous. Ecclésiaste, dans l'ancien, qu'on appelle ce qu'on appelait avant Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Donc Ecclésiaste, le chapitre 12, on va le prendre en entier. Ecclésiaste, chapitre 12. C'est bon, je peux lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur, et éloigne de toi le mal. Car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que viennent les années où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que le soleil et la lumière et la lune et les étoiles s'obscurcissent et que les nuages reviennent après la pluie. Lorsque les portes de la maison tremblent et que les hommes forts se courbent et que celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées. Et quand ceux qui regardent dans les fenêtres sont obscurcis. Et quand les deux barres de la porte ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que toutes les chanteuses s'affaiblissent, quand aussi on craint ce qui est élevé et qu'on tremble en chemin, quand l'amandier fleurit et quand les cigales deviennent pesantes, l'appétit s'en ira car l'homme s'en va vers sa maison éternelle. Et ceux qui pleurent font le tour de rue, avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne, avant que la poussière retourne dans la terre comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Voilà en fait un homme qui parle à la jeunesse. Un homme qui a eu tout ce qu'il voulait dans ce monde, Salomon. Il a eu la richesse, il a eu le pouvoir, il a eu les femmes. Mais à la fin de sa vie, il écrit aux jeunes, il écrit à la jeunesse. Et si on continue la lecture, le verset 10 disait que vanité des vanités, tout est vanité. En fait, il avait fait le tour. Il a vu que tout ça là, c'est vain.
tout ça là, c'est zéro. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Oui, se réjouir est de Dieu. Se réjouir, c'est Dieu qui veut ça. Mais de quelle réjouissance Dieu parle-t-il? Comment se réjouir dans le Seigneur? Est-ce que se réjouir consiste à aller en boîte de nuit? Consiste à écouter le rap, le rock? Consiste à boire de l'alcool? C'est quoi se réjouir? Quelle est la source de la réjouissance? Dieu nous dit, jeune homme, pas seulement, jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Pendant que je vous parle, je me réjouis. Je suis dans la joie parce que j'ai devant moi les âmes du Seigneur. J'ai la joie du Seigneur de parler aux âmes du Seigneur. Parce que la joie, la réjouissance en fait vient de Dieu. Mais le monde a mis en place des systèmes, des choses pour nous donner des réjouissances éphémères. Pour nous faire être dans l'extase, dans les vapes. On est là, on prend un joint. On est là, on prend une bière. On se croit arrivé. On croit qu'on se réjouit. Mais en fait, on se détruit. Parce que c'est une courte durée. Et à la fin, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Moi, je pensais qu'en prenant mes castels, je me réjouissais. Mais le lendemain, j'avais les maux de tête comme pas possible. Et pourtant, je croyais me réjouir. Mais le lendemain, j'avais vraiment un mal de tête pas possible, une gueule de bois pas possible. Je croyais me réjouir, mais je me détruisais. La réjouissance est de Dieu. Mais pour se réjouir, il faut se réjouir comme le Seigneur le veut. Il dit, réjouis-toi en ton jeune âge et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse. Que ton cœur te redonne la joie. Il a dit avant, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse. La boisson ne rend pas gai. La cigarette ne rend pas gai. La mode ne rend pas gai. C'est des artifices que Satan a mis en place pour détourner les jeunes, pour nous amener dans son piège en réalité. On va être à la mode dernier cri, mais quand on va regarder ton cœur, tu ne te réjouis pas. Tu n'es pas gai. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la joie du Seigneur. Parce que tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Tu vas paraître devant les gens. Tu vas jouer le fort. Tu vas jouer le beau. Tu vas jouer celui qui est toujours chaud. Mais dans ton cœur, tu n'es pas dans la réjouissance. Tu n'es pas dans la joie. Tu le sais. Parce que c'est simplement c'est des apparences que tu te donnes. Mais quand tu te retrouves seul à seul, tu comprends que c'est du vide. Mais Satan te dit, non, c'est pas grave. Beaucoup sont comme toi. C'est la vie, vas-y à fond. Tu es jeune, demain tu vas mourir. On n'a qu'une seule jeunesse. Fonce, mon frère, fonce. Dans le but de te détruire en réalité. Il veut te détruire. Parce que Satan sait quelle est sa fin. Il connaît quelle est sa fin. Alors il ne veut pas aller seul là-bas. Il veut amener le maximum de personnes. Il sait clairement ce qui lui attend à la fin. Mais il ne veut pas être seul. C'est pourquoi aujourd'hui il amène plein de réjouissances. Il amène plein de fausses vérités. Il amène plein de choses qui nous réjouissent le cœur pour un temps, mais qui nous détruisent à long terme. Mais on peut trouver notre réjouissance dans le Seigneur. Il dit, réjouis-toi dans ton jeune âge. Dans ton jeune âge. Et que ton cœur te garde, te rende gai au jour de ta jeunesse. Et il dit, et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Quand ton cœur est au Seigneur, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, tu pourras marcher selon ce que ton cœur te dit. Parce que ton cœur maintenant appartient à Jésus. Et maintenant, lui, il te conduit. Il te conduit. Mais si ton cœur, qui est tortueux par-dessus tout, n'est pas donné à Jésus, c'est la catastrophe. Tout à l'heure, je parlais des jeunes. Je leur disais, mais quand une voiture n'a pas de chauffeur, quelle est sa fin? Quand une voiture n'a personne aux commandes, quelle est sa fin? Qui peut me dire? Une voiture sans chauffeur, bien le chauffeur a reçu un coup et la voiture continue à rouler. Quelle est la fin de cette voiture-là? Elle va finir comment? On va partager ensemble. Qui peut me dire, ma sœur, une voiture sans chauffeur, un avion sans pilote, quelle est sa fin? Forcément la voiture, forcément
Un avion sans pilote, obligatoirement c'est l'eau, crash. Un cœur sans Jésus, c'est pareil. Obligatoirement, c'est le crash. Obligatoirement, c'est la tristesse. Obligatoirement, c'est la mort. Ce qui donne la joie dans nos cœurs, c'est Jésus. Et c'est pourquoi vos cœurs doivent être à lui. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé. C'est comme M. Renault, ou bien M. Peugeot, ou bien M. toutes ces voitures qui créent là, qui sont créées là. Il connaît quelles sont les limites de sa voiture. C'est lui qui est l'auteur, qui est le concepteur. Il sait que cette voiture est opératoire, elle a tel moteur, qui a telle puissance. Il le sait pourquoi, parce qu'il a créé cette voiture. Celui qui t'a créé sait ce qu'il te faut. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Je ne sais pas ce qu'il me faut. Satan non plus ne sait pas ce qu'il me faut. Mais Dieu sait ce qu'il me faut. Et ce matin, il nous parle de la réjouissance. La véritable réjouissance est avec lui. C'est en lui qu'on la trouve. C'est pas dans l'alcool. C'est pas dans les petites copines. C'est pas dans le jazzé. C'est pas dans le ringo. Non. Pas dans le R&B. Non. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve la véritable réjouissance. Et il continue en disant, et ça c'est là où c'est grave. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Dieu t'amènera en jugement. Dieu te demandera des comptes de comment est-ce que tu as mené ta vie, de comment est-ce que tu t'es réjoui, de comment est-ce que tu t'es comporté. Tu vas rendre compte. Je vais rendre compte. Parce que ce Dieu, il est jaloux. Alors, ce Dieu-là, il attend des choses de nous. Et c'est pourquoi je vais rendre compte à ce Dieu-là. Mais si j'ai fait la paix avec lui, si c'est lui qui guide mon cœur, je serai dans la paix. Parce que quand je vais rendre compte ce jour-là, je serai dans la joie parce que je sais que j'ai fait sa volonté. Je sais que j'ai été conduit par lui. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, tu dois commencer à avoir peur. Parce qu'il sera, sans vous faire peur, il est juste. Il rendra à chacun selon ce qu'il a fait. Il rendra à chacun nous selon ce qu'il a fait parce qu'il est juste. Donc comment tu as pris ta bouche? Comment tu t'es comporté avec ta bouche? Ta bouche a servi à quoi? Est-ce qu'elle a servi à ce pourquoi Dieu l'a créée? Ta bouche, elle sert à quoi? Tu vas rendre compte par rapport à ta bouche. Tu vas rendre compte par rapport à tes yeux. Comment tes yeux ont été utilisés? C'était pour regarder quoi? Les films pornographiques? C'était pour regarder quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec tes yeux? Tu vas rendre compte à Dieu de tes mains, de comment tu les as utilisées. Tes mains ont touché quoi? Est-ce que tes mains ont passé le temps à caresser le péché? Ou bien tes mains ont passé le temps à faire la volonté de Dieu? Tu vas rendre compte pour tes pieds. Quand tes pieds ont marché, ils sont allés où? Chez la prostituée? Au bar? En bois de nu? Tes pieds t'ont conduit où? Tu vas rendre compte pour ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur avait? Qu'est-ce que ton cœur pensait? Qu'est-ce que ton cœur dégageait? Tu vas rendre compte pour tout ce que Dieu t'a donné. Pour tes oreilles, pour tes yeux, pour ton nez, pour ta langue, pour ta bouche, pour tes mains, pour tes bras. Tu vas rendre compte. Pour ton ventre. Comment ton ventre est utilisé aujourd'hui? Ou tu passes ton temps tellement à te goinfrer que tu oublies que ce ventre-là est utilisé par Jésus, par Dieu. Mais mes frères, chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Et c'est pourquoi ce soir, Dieu vous appelle et vous dit clairement, vous allez rendre compte. Mais pour se préparer à rendre compte, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Internet ne sait pas ce qui est bien pour toi. Ni Facebook. C'est Dieu ton Créateur qui sait ce qui est bien pour toi. Il dit, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte de comment tu as utilisé tout ce que Dieu t'a donné. Beaucoup n'ont pas la voix des pieds. Toi, tu as des pieds. Qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup n'ont pas les yeux. Ils veulent avoir des yeux. Mais toi, tu en as. Mais qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Beaucoup ont la bouche, mais n'arrivent pas à louer Dieu. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Beaucoup ont des oreilles, mais n'entendent pas. Mais toi, qu'est-ce que tu entends avec tes oreilles? La fois dernière, j'étais béni de voir les sourds muets, les malentendants bénir le Seigneur. J'ai dit, waouh Seigneur, waouh, waouh, waouh.
je n'ai pas de raison de ne pas te louer. Les soumets louent le Seigneur avec des gestes. Waouh, Seigneur. Et moi qui ai les oreilles, moi qui ai tout, pourquoi je n'arrive pas à te louer? Qu'est-ce qui t'empêche toi aujourd'hui, jeune homme, à te donner entièrement, Seigneur? Avec toutes les grâces qu'il t'a fait, et tout ce qu'il t'a fait aujourd'hui, comment tu rends grâce à Dieu par rapport à ce qu'il t'a fait? Mais il dit que sache que pour tout cela, Dieu t'emmènera. Tu ne peux pas échapper, je ne peux pas échapper. Dieu nous emmènera tous en jugement. Tous en jugement. Et il te dit, avant ce temps, il dit, ôte le chagrin de ton cœur. Pour que le chagrin quitte ton cœur, demandez à Jésus de rentrer dans ton cœur. Et quand Jésus te rentre dans ton cœur, le chagrin quitte. C'est obligatoire. Parce que ce n'est pas possible que Jésus, qui est la joie, qui est la paix, règne avec le chagrin. Ça ne marche pas. Pour que le chagrin quitte ton cœur, mon frère, ma soeur, Jésus est la solution. C'est lui qui chasse le chagrin de ton cœur. Et ce soir, il a vu ton chagrin, il veut le chasser. Mais c'est toi de décider. C'est à toi de décider. Il dit, ôte le chagrin. Il te donne un conseil. Ôte le chagrin de ton cœur. Mais celui qui ôte le chagrin de ton cœur, ce n'est pas toi-même, c'est Jésus. Et quand il vient dans ta vie, il ôte le chagrin. Il dit, éloigne de toi le mal. Éloigne de toi le mal. Comment? En quoi faisant? En t'approchant du bien. Et le bien, c'est qui? C'est Jésus. Quand je m'approche du bien qui est Jésus, automatiquement, je m'éloigne. J'éloigne le mal de moi. Ça va de pair. Je ne peux pas m'approcher de Jésus qui est le bien et être en même temps proche du mal. Ce n'est pas possible. Alors pour éloigner le mal de moi, il faut que je m'approche de Jésus. Il faut que je m'approche de Jésus. Et quand je suis proche de Jésus, automatiquement le mal, je l'éloigne de moi. Parce que le mal en réalité, c'est quoi? C'est le diable. C'est Satan. C'est ça le mal. C'est tout ce que je pense là qui n'est pas conforme à Dieu. Tout ce que je fais là, que Dieu est. Tout ce que je dis que Dieu est. Tout ce que je fais dans le noir. Tout ce que je fais dans les ténèbres que Dieu est. C'est ça le mal. Et Dieu dit, éloigne de toi le mal. Il n'a pas dit, je vais éloigner de toi le mal. C'est ta décision, c'est ma décision. Il dit, éloigne de toi. Mais en quoi faisant? En t'approchant de Jésus. Jésus a tout accompli. Mais moi, je n'ai fait qu'un pas pour m'approcher de lui. Et en faisant ce pas-là, alors, le mal, je l'ai loin de moi. Parce que le bien, le bon, c'est Jésus. Il dit, éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mon frère, tu ne seras pas toujours jeune. Tu ne seras pas toujours belle, ma soeur. Tu as commencé à avoir des cheveux blancs comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas éternel, c'est vanité. Tu ne seras pas toujours fort. Non. Passé un temps, tu ne pourras même plus faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Et Dieu te donne cette force pour un but précis. Pour sa gloire. Pour un but précis. Pour que tu te réjouisses avec lui. De façon véritable. Sans que vanité. Ça va passer. On n'est pas toujours jeune. On n'est pas éternellement jeune. Dans le monde. Mais avec Jésus, on est éternellement jeune. Parce que moi, je crois que je suis jeune. Je crois que je le serai jusqu'à ma mort. Parce que Jésus me rajeunit. Il me rajeunit tous les jours pour sa gloire. Mais s'il n'est pas là, vous avez, quand vous voyez les gens qui ont mon âge aujourd'hui, là, on n'est pas pareil. C'est-à-dire que je parais 10 fois plus jeune qu'eux. Et pourtant, on a le même âge. Voilà les conséquences du péché. Les conséquences de la drogue, de la boisson, des femmes en désordre. Ça a vieilli. Ces gens qui sont même plus âgés que moi, sont même plus, ils sont plus jeunes que moi, je vais dire, mais ils sont plus âgés. Quand on regarde, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché, à cause du mal, la jeunesse est détruite à cause du mal. Satan détruit la jeunesse à cause de tout ce qu'il a mis en place. Et Dieu dit, attention, ôte le chagrin de ton cœur. Pourquoi tu veux tellement être dans la compétition? Pourquoi tu veux tellement courir? Pourquoi tu veux tellement montrer que c'est toi qui es là? C'est parce que dans ton cœur, il y a un chagrin. Parce qu'on t'a dit qu'en fait, pour réussir, il faut avoir bac plus 50. Pour réussir, il faut avoir une grosse voiture. Pour réussir, il faut avoir un grand travail. C'est les standards des hommes. Mais il dit ici que tout est vanité. On t'a dit que pour réussir, il faut avoir la dernière Jordan, la dernière basket. Ça, c'est vanité. Ça passera.
Mais tu vas rendre compte, mais je vais rendre compte à Dieu. Mais quand je vais rendre compte à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Jésus est juste. Je ne pourrais pas m'enfuir. Je ne pourrais pas faire semblant parce qu'il me voit et me connaît. Devant les hommes, je peux faire semblant, mais devant Dieu, c'est impossible. Il t'appellera en jugement. Il dit, tout est vanité. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Jésus ce soir. Ne laisse pas la drogue te détruire. Ne laisse pas le sexe te détruire. Ne laisse pas la mort te détruire. Ne laisse pas le système établi par Satan te détruire. Ne laisse pas le monde te détruire. C'est possible d'être jeune et de se sanctifier. D'être jeune et ne pas tricher à l'alcool. D'être jeune et être dans la joie. D'être jeune et être intègre. D'être jeune et avoir des petites copines et être dans la joie. Il n'y a pas de joie dans le sexe hors du mariage. Il n'y a pas de joie. Il n'y en a pas. La véritable joie dans le sexe se trouve dans le mariage. Parce que Dieu a mis le sexe dans le mariage, pas hors. Si tu le fais hors, c'est comme si tu prenais la mangue qui n'est pas encore mûre. Tu la consommes et se passe. Une mangue qui n'est pas encore mûre, tu l'accueilles, tu la consommes et se passe. Est-ce que ton ventre se passe, se porte bien? Non, tu auras des coliques. Parce que ce n'est pas le temps de consommer cette mangue-là. Alors quand je consomme le sexe avant le mariage, forcément je me rends malade. Je me détruis. Je me détruis. Et beaucoup de jeunes sont détruits tous les jours par cette affaire de sexe sans se rendre compte. L'image que Dieu me donne, si je prends du scotch maintenant, je n'ai pas de scotch, vraiment. On peut me dire, Raph, s'il te plaît, tu as un scotch, le scotch? En fait, c'est l'image vraiment que Dieu m'a dit tout à l'heure, montrer comment de voir Satan s'accapare et nous tue. L'image du scotch, Seigneur, merci. Un peu le scotch. En fait, c'est pour vous montrer par des exemples concrets comment est-ce que le péché, comment est-ce que Satan tue, nous détruit. Oui, merci. Vous savez que ça, c'est le scotch, n'est-ce pas? Je vais le prendre. Je le colle ici. Tout le monde voit? Ce scotch, il est collé ici. Il tient, non? Je l'enlève. C'est l'image de ma vie. Je viens. J'ai le scotch ici. Je le tire. Je continue à vivre. À vivre comme je veux. C'est l'image du scotch. Je viens. J'ai le colle ici. Les rapports sexuels dans la boisson. Je continue. Je continue à vivre comme je veux. Je le colle ici, dans le mensonge, dans la haine, dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce que Dieu n'aime pas, dans le Congo, ça, dans la musique, dans les insultes, dans l'impolitesse. Je continue. Je le colle ici. Ma vie, je la colle ici. Dans l'ivrognerie, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Le sexe en désordre, la boisson. Le manque de respect aux autorités. Je continue. Et puis à un moment donné, quand je vais revenir au départ, je me rends compte de quoi? Au début, il collait entièrement, n'est-ce pas? Maintenant, avec le tout que j'ai fait, je me rends compte que ça ne colle plus. Ça ne tient plus. Tout est, en fait, la substance qui était dedans est parti. À chaque fois que je déposais dans le mensonge, ça restait. Dans le vin, ça restait. Dans le Congo, ça restait. Dans la musique, ça restait. À chaque fois, ça restait. Je perdais un peu de moi. Et à la fin, je suis comme ça. Vide. Je ne tiens plus. Il n'y a plus rien. Totalement vide. Et là, c'est l'image de la mort. Je suis mort. Il est trop tard. C'est ça.
Satan fait dans les vies des jeunes, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Quand on passe par tout et par rien, le but c'est qu'à la fin, lorsque Dieu viendra, qu'on soit vide. Et quand tu es vide devant Dieu, tu ne tiens plus. Voilà un peu l'image de comment Satan utilise nos vies pour la destruction ou la mort. Mais à chaque fois que je me colle, je suis content. Hein? Je me colle, je suis content. Mais la fin, il dit, ah, si je savais, mais il est trop tard. Mais ce soir, il n'est pas trop tard pour toi, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Parce que tu as écouté, tu n'es pas encore arrivé au bout. Tu peux encore changer. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore revenir à Jésus. Tu peux encore repartir à zéro. Tu peux repartir à zéro, c'est possible. Moi, je l'ai fait à 25 ans. À 25 ans. Peut-être que tu as plus, peut-être que tu as moins. Mais c'est le temps. Jour du te donner sa vie, sa joie, sa paix. Celle que tu n'as pas dans la boisson, dans le sexe, dans le kongosa, dans la R&B, dans le ringo, dans le jazzé. C'est ça. C'est avec Jésus que tu trouveras cette joie-là. C'est encore possible. Soit c'est encore possible. C'est encore possible ce soir. Parce qu'il dira, avant que les jours mauvais n'arrivent, et que viennent les années où tu diras, je n'ai pas de plaisir. Ces années vont arriver. Ces jours vont arriver. Parce que toi, jeune fille, ta beauté un jour ne sera plus là. Ah oui, et ces hommes qui couraient après toi hier ne vont plus courir après toi. Parce que les jours mauvais vont arriver. Toi, jeune homme, tu ne pourras plus avoir les muscles et montrer que je suis fort. Il n'y aura plus ça. Ces jours vont arriver. Mais si Jésus n'est pas là, la dépression, c'est le suicide, c'est la mort. Donc avant que ces jours mauvais n'arrivent, c'est le jour du salut aujourd'hui pour chacun de nous. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer et balayer ta vie passée. Repartir à zéro et avec Jésus pour berger. J'ai l'expérimenté et je le vis encore aujourd'hui. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Et avec Jésus, on ne peut pas regretter. Parce que si aujourd'hui, on me ramenait 20 ans avant pour dire, fais le choix sera très vite fait. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ces choses qui ne m'ont rien donné, ce n'est que la maladie, ce n'est que d'être dépravé, être triste. Tout ce temps perdu pour rien. Et ce soir, ça peut être un nouveau départ pour chacun de nous. Maman, je pense que Dieu me demande de m'arrêter là. Nous allons simplement chanter ce chant. Et pendant que nous allons chanter ce chant, vraiment, si tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi. Parce que c'est possible encore de changer. C'est pas fini. Dieu a un but pour ta vie. Dieu t'a créé pour quelque chose. Pas pour être esclave sexuel. Pas pour être esclave de la musique, de la mode. Dieu t'a créé pour un but. Pas pour être esclave des hommes politiques. Quand ils sont là, allez applaudir, on applaudit. Non, Dieu t'a créé pour un but. Pas pour être l'esclave des syndicalistes. Dieu t'a créé pour un but. Pas pour être l'esclave de ceux qui sont dans la haine. Dieu t'a créé, m'a créé pour un but. Mais si je n'ai pas Dieu, je ne peux pas savoir ce but. Je passe à côté. Alors ce soir, mon frère, c'est possible de repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Moi, je suis en prière. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie. Yeah.
véritable paix. Tu nous promets un nouveau départ. Tu nous promets une vie éternelle à tes côtés, Jésus. Le monde nous a détruits. Le monde nous a trompés, Seigneur. Au travers de la mode, au travers de l'alcool, au travers des choses bizarres, la technologie. Nous avons été déformés, Seigneur. Mais ce soir, tu nous dis, nous pouvons repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Seigneur, ce soir, ô Père de gloire, viens encore parler au cœur ce soir. Au cœur ce soir, parle au cœur de cette jeunesse, Seigneur. Et montre-leur, Jésus, que tu es la vérité, que tu es la joie, que tu es la paix, que tu es l'amour.